Hello la famille, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, c'est un jour de famille parce que je suis avec quelques membres de ma famille, des membres très chers. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qui est à ma gauche, mais c'est ma star, c'est vraiment mon idole, hein, mémé. Donc ma grand-mère est là aujourd'hui, elle est de passage sur Abidjan. C'est pour ça que je ne tournais pas de vidéo parce que il fallait que je reste avec elle, avec mes tatas, qu'on passe le maximum de temps possible ensemble. Mais elle a tenu quand même à faire une petite vidéo. Hein, elle va vous donner quelques conseils. Elle va nous... regardez comment elle est. Mais c'est quoi? Blanc de tes yeux. Non, mais elle va parler. Oh, mais elle n'aime pas trop parler. Elle est plutôt tranquille. Mais elle va nous dire quelques mots aujourd'hui, bien aimé. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà ton nom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Céline Bertine. Céline Bertine. Yeah. Tu as quel âge? 81. Tu peux dire ça embêté, hein? Tu peux dire ça embêté. Comment dire 81 embêté? Ah, 81 ans. Bon, moi, mon bêté là, c'est compliqué. Mm. Quand j'étais petit là, maman m'avait envoyé chez toi à Daloa pour parler bêté. Mm. Mais tu ne m'as pas enseigné bêté. Tu as plutôt parlé français sur nous. Donc, elle a appris avec mon petit frère, elle a appris le français sur nous. Et puis bon, moi, je ne parle pas bêté aujourd'hui. Mais je comprends quelques mots quand même. Et puis elle, c'est maman. Tu vois, voilà. Elle t'a regardé. C'est la sœur de maman, de ma maman. Bah, c'est son toutes mes mamans maintenant. Et puis, tu veux dire quoi? Tu veux te présenter? Moi, c'est Emeori. Emeori. Aïe! Notre choco. Emeori. La petite sœur de maman directe. Et puis, elle, c'est elle qui s'occupait de moi quand j'étais petit. Bon, moi, elle est là, tous mes dossiers. Où est Tata Dido? Oui. Alors, je vais te laisser te présenter. Bye Marie-Josée. Voilà, non, là, Dido là même, ça vient d'où? Bon, c'est... Comme ça, petit nom, Dido. Ou bien c'était Didon. Non, et puis... non, pas de... c'est Dido. Le nom que tout le monde connaît. Ah bon, c'est que tout le monde connaît. J'étais comment quand j'étais petit? Bon, en tout cas. Très calme. J'étais un enfant très calme. Très calme, hein? Très doux. Non, vous avez dit quoi, très doux, là? Ah bon. Un enfant vraiment... Simple. Simple, pas compliqué. Compréhensible, vraiment. Mais il n'y a pas des docas que vous avez, c'est bon, des choses que j'ai faites. Vous voyez, les enfants, sans problème, là, ça n'existe pas. Ah, moi, ce qui m'a marqué, là, c'est Agagnoua. Ok. Agagnoua, qu'est-ce qui s'est passé à Agagnoua? J'étais au CP. J'étais à l'école, je vais te chercher, tu dois te laver à 17h30. Quand je mets ton nom, viens te laver, va te changer, bah, tu disparais. Je vais le chercher. Quand je vais chez les. Il y avait des voisins, des voisins derrière. Tu es en train de manger. Soublie d'attendre que tu finisses de manger. Ah, j'allais manger chez les voisins là tout le temps. On va rentrer. Bon. La troisième fois, j'ai dit, mais tu exagères. Ça y fait tout aussi. Je suis seulement une fois par jour. C'est toutes les nourritures que tu as mis, tous les jours que tu as venu manger. Peut-être que tu manges le matin, tu manges à midi, ton riz même au feu. Tu exagères. Tu m'as rien dit. C'est la manière que tu as lavé. Le lendemain, on est quitté à l'école. Il y a mis l'eau. J'en vais où? Je vais le chercher. J'ai en train de manger. Oh, aïe. Aïe. Il y a quoi? À peine j'arrive, la tante. Aïe. Quoi? Toi, tu as dit quoi, Jean-Yves? Ça va pas chez toi. Hey, sérieux. Comment ça me saquer? Ah, ça c'était tante Marie-Noël. Oui. Je suis resté au rond, va me tuer. J'ai baissé la tête, je ne peux pas me suivre. Et puis, va, faut partir. C'est bon, nous allons le laver. Allez, fous le corps. Je suis parti, je suis assise. Donc, quand t'as Mike, tout le travail, elle est venue. Convocation. Rien. Et puis ce que j'ai dit, ce que tu as répété. Textuellement, j'ai dit quoi textuellement? Tu es parti, tu as arrêté. Jean, il vient manger. Viens manger. Tu n'as pas faim, si. Mais viens manger. Tante Dido dit que vous ne mangez pas bonne nourriture. Et puis votre petite nourriture, là, toujours, je suis dessus. Pourtant, c'est une seule fois où manger par jour. On peut faire ça. Mais c'est qui? Non, je comme ça. Moi, mais c'est quoi? Je me regarde comme ça. Ouais, tu as appris ta leçon. Tu te donnes la honte. De ma pierre, il y a fait une semaine, il n'est pas passé au camp de. Ah, mais maintenant. Quand il me voit, il a méchant. Bon, pourtant, tu les aidais aussi. C'est un repas par jour. Oui, repas par jour. Les gens ont tenté de lutter. C'était okay. Mon cher, toi, c'est ce qui m'a marqué. Je n'ai pas ça. Mais t'as mal grandi, mais ça m'arrangeait pas. Les petites COVID. Il faut mes petites dissous. Il n'y a pas de problème, j'ai fait. Il faut que j'aille du chaud. Non, je vais laver. Tu as dit quoi à l'autre côté, puis tu vas faire. C'est ça. C'était Ivo, c'était Jean. Ivo, t'as marié au final. Oui, j'ai fait, il faut laisser, j'ai fait. Ivo, tu as fait la douche, je vais laver. Non, je faisais tout la ça. La petite vaisselle. Ivo, tu as fait. Ah, si t'as déjà lavé. Non, je vais laver.
Toi, quand la boîte armée a grandi, c'était plus simple. C'était plus simple à gérer. Je disais non aux gens, mais je ne disais pas que c'était toi qui m'avais dit ça. Non, maman, je vais laver. Je vais laver. Ah bon? Je te disais, quand tu dis la douche, je dis, je vais laver. Laver ou je vais aller à la douche. En tout cas, c'était chic, quoi. Ok, super. Mais bon, on est là pour la grande star, quand même. On retourne là-bas. Et la vraie question, c'est... Mémé, comment tu fais pour vivre aussi longtemps? Aujourd'hui, tu as 81 ans. Comment tu as fait pour vivre comme ça? Bon, les mamans ont traduit. C'est compliqué. Mais tu as compris? Gomla. Ah, Gomla. Gomla. Elle ne fait rien de grave, de compliqué. Elle s'occupe d'elle-même. Elle se gère. Elle ne mange pas. Elle ne boit pas. Elle ne mange pas n'importe où. Elle est sage. Elle est fidèle, j'ai entendu. Ça, j'ai compris. Je suis chez moi. Elle ne mange pas chez les gens, elle mange chez eux. Quand elle veut boire, elle prend la boisson, elle boit à la maison. Mais quel genre de boisson? Est-ce que tu bois? Blanc, tu bois bien. C'est bien qui fait que tu tiens comme ça. Non, avant, c'est baggy blanc. Baggy blanc. Il y a 50 francs, il y a 100 francs. Oui. La vieille dit, elle se met bien, mais elle ne boit pas beaucoup de bien. Ok. Avec la famille. Elle est avec la famille. Ses frères, ses soeurs. Il prend à moi la salle d'île aussi. Il dit à moi ça. Ah, les bêtés de la chaîne là, j'espère que vous entendez tout ce qu'elle dit. Traduisez ceux qui connaissent, qui comprennent le bêté là. Moi je comprends un mot, mais pas beaucoup. Ok, force. Ah, Jésus me dit ça, j'ai mis une ma maritée. On parle à prier. Ok. Le Seigneur m'a fortifié. Mais on a vu quoi là. Il faut voir ça. Il faut dire quoi. Ok. On va marier, t'es barré, comme. Je n'ai tranquille. Tranquille, tu es content. Santé en taille. Ok. Mais santé là, un peu. Ça, là, c'est là. Amen. 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 Donc, secret pour vivre aussi longtemps, elle ne boit pas beaucoup d'alcool, elle ne mange pas n'importe comment, elle mange bien, et puis surtout, elle arrive à se contenter de ce qu'elle a. Ce qu'elle n'a pas, elle ne va pas chercher, se fatiguer et tout ça. Ah, c'est ça même, ce que tu as dit là, c'est ça même. Maintenant, pourquoi tu n'aimes pas Abidjan? Parce qu'à chaque fois que je lui dis de venir à Abidjan, elle ne veut même pas entendre parler d'Abidjan. Elle est vie à Daloa, à Beaubois. Son village, c'est Beaubois, pour ceux qui connaissent. Et elle préfère toujours être au village que de venir à Abidjan. Pourquoi tu n'aimes pas Abidjan? Abidjan, il y a ma guibou. C'est Abidjan, ma guana, ma Geneviève. Elle a commencé par Abidjan. Maman Geneviève, c'est ce qu'elle a eu. Eh bien, dis donc, donc elle a fait Abidjan. Abidjan était pauvre. Était encore pauvre. Puis, c'est 20 francs. 20 francs seulement. Allez, pour ça, c'est quoi, il y a 60 ans? Même moi, peut-être 65 ans, à Bis là, ça faisait 20 francs. Non, même plus. J'ai la même âge que moi. Ah bon? Ok. Non, c'est 65. Tout nous l'est. Mais, Abidjan maintenant. Ah, c'est autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ici. Trop de stress. Trois roumains. Motoma. Abidjan. C'est pour ça que tu n'aimes pas. Donc là, tu es à Abidjan, tu es pressé de repartir au village? Non, oui. Mais dans qu'est-ce que tu aimes au village? Qu'est-ce que tu aimes faire au village? Pourquoi tu aimes le village? Oui. Elle est habituée là-bas. Elle est habituée. Elle a la paix, c'est tranquille. Tout le monde se connaît. Elle sait où elle habite, elle ne peut pas se plaindre. Alors qu'à Abidjan, c'est compliqué. T'as dit quoi? Chacun peut aller dormir dans la maison de l'autre? Non, elle dit que là-bas, elle connaît. Elle connaît les gens. Elle connaît
les maisons. C'est pas grand. C'est pas grand. Tout le monde se connaît. Elle a ses habitudes, quoi. Ouais, ses donc c'est beaucoup plus simple là-bas pour vivre et tout. Kabidjan, Abidjan, c'est beaucoup. Comment Abidjan? Il y a un dino. Ça dit ça, vrai. Que 10 jours, 15 jours, on va y aller. Ça, comme. Pour un coup séjour, mais pas pour un long séjour. Bon, elle peut venir à Abidjan pour un coup séjour. Ouais. Mais même à Abidjan, même pour nous-mêmes, c'est compliqué. Donc, ouais. On imagine un peu pour elle et tout. Ouais. Maintenant, c'est quoi ta plus grande joie? Qu'est-ce qui la rend heureuse aujourd'hui? Ça, là, il faut qu'on traduise. Elle avait dit ça. Ouais. Elle a déjà dit ça. Mais elle n'a pas bien nous dit encore. Qu'est-ce qui fait que tu es contente? Zéné, un camion à mon Ah bon? Abidjan, là, mangré là. Ah oui, c'est vrai que Hervé, mon petit frère, s'est marié et tout. Donc vraiment, c'est la joie. Ok. Elle est très contente. Vous comprenez? Elle a la bichon. On va dire et puis on va traduire. Ok. Ça a tout dit? Ok. Amen. Oui, on prend les bénédictions, elle a dit. Amen. On tout traduire. Qu'elle est très contente d'être à Abidjan aujourd'hui, grâce au mariage de son petit-fils. À cause du mariage de son petit-fils, on l'a invité. Donc, elle est parmi les siens, on a fêté. Vraiment, c'est la grande joie. Aujourd'hui, ses petits-enfants sont devenus des hommes, des adultes qui ont leur situation. D'accord. Mais bénis le Seigneur. Et bon, le Seigneur de toujours vous garder. Voilà. Et quand elle vient là-bas comme ça, elle pense à vous, elle est contente. Mais quand ça ne va pas, mon petit frère Jean-Yves, mon savon est fini tout de suite. Tu lui envoies la Yannick Savon pour qu'elle achète. Okay. Mais bénis le Seigneur pour vos vies, voilà, pour le futur, elle compte sur vous. Elle est très heureuse. Ok, maintenant, moi, il y a une question. L'argent qu'on lui donne, là, comment elle gère ça? Elle met ça où? On t'a revenu dessus. L'argent là, comment tu arrives à gérer ça bien? Parce que parfois, je vais donner, on va dire, 100 000 là. Tu fais combien de jours avec 100 000? Combien de mois? Ça va. On dit, ma groupe a bien à être par jour au marché de 2 000 francs. Ok. Des fois, s'il y a quelque chose, il y a ça, moi. Si que je suis gâté à la maison. À la maison. Elle prend aussi pour manger, pour manger, pour déjeuner. Quand les gens la sollicitent, elle les aide. C'est ça. Quand il y a les funérailles, elle participe. Bah, quand quelqu'un vient à ton secours funérailles, à son tour, il faut faire pareil. Voilà. En fait, donc, pour comprendre la langue, c'est pas compliqué. Quand elle parle, même je comprends, j'arrive. Je vais être sûr, en fait. La solidarité. Voilà, quand les gens veulent aller à Daloa, demandent 1 000 francs. Les enfants viennent je vais au village pour déposer un dossier, demande 1 000 francs pour le transport. Voilà. Elle donne son merci déjà, ça la soulage. Bon, nettoyer sa maison, quand il y a un truc qui est gâté, le toit coule,
Elle envoie les gens, ils arrangent, elle fait. Voilà, pour cet argent-là, elle fait beaucoup de choses avec. Elle fait beaucoup de choses. Pour pas qu'on demande trop de détails. Pour pas qu'on demande trop de détails. Cet argent travaille au village. Au village, ok. Ça sert à nourrir les personnes. Parce qu'elle n'est pas dépensière. Mais c'est ça. Elle a toujours... ton argent dans son panier. Il faut montrer ton argent. Mais c'est moi, mais c'est moi. Ah. Toi, tu as posé quoi? Laissez maman tranquille. Non, non, non. Tu as dit quoi? Tu as demandé quoi? Non, rien. Mais on nous dit, est-ce que tu as combien maintenant? Tu as combien? C'est toi où tu as ton argent? Laissez maman tranquille. Elle a dit qu'elle avait un tixel. Ouais, toi, ton argent que tu avais sur toi là. L'argent que... C'est où? Où tu mets? Où tu gardes? Tu as portefeuille? Tu as... Faut montrer où tu gardes ça. Ça y est, bon. Faut montrer où tu mets ton argent. Il a pas une église. Ah, ah, affaire d'argent, je parle. Affaire d'argent, là. Ah, tu veux pas nous dire. Non, c'est l'argent. Hein. Ok, mémé. Maintenant, j'ai une question pour toi. Il y a beaucoup de jeunes là qui nous regardent. Des gens, ils sont des enfants encore. Ils pensent qu'ils ont grandi, mais ils n'ont pas encore grandi. Quels sont les conseils que tu peux leur donner pour qu'ils puissent vivre longtemps comme toi? Longtemps comme toi. Et puis, maman va traduire en même temps. Qui prenne soin d'eux. Quand il gagne à manger, qu'il mange en eux. Mm. Quand c'est la boisson, qu'il mange. Oh, vers la main, il est quand même béni. Qu'il prenne soin de ce qu'il mange. Qu'il soit avec les amis, qu'il prenne soin de leur nourriture, de leur boisson. Voilà. On ne sait jamais. Il y a des empoisonnements qui... De partager ça partout. De savoir où tu manges. Voilà. Avec qui tu es. Voilà. Où tu manges, avec qui tu es, avec qui tu marches. C'est très important. Pas marcher tout le monde. Bien choisir tes amitiés. C'est ça. Bien choisir ses amitiés. Ses amitiés. Ne marche pas avec tout le monde. Voilà, qu'il respecte. Respecter. Respect des aînés. Voilà. Il faut respecter les aînés, l'oncle, la tante, la grand-mère, pour que tu aies longue vie. C'est ça. Pour ne pas qu'on se fâche avec toi. En entendant, quand tu vois une vieille personne avec des bagages, il faut l'aider. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Amen. Jusqu'à qu'il prenne soin d'eux. Voici qui est beaucoup là. Au village même, Koutoukou. Koutoukou qui est là-bas là. Non. Amen. C'est pas bon n'importe comment. Au bout, ça c'est que non, maman. Avant, il y a mon pram. Ça va le bout. Les jeunes du village, c'est ce qu'elle dit. Ils boivent beaucoup les boissons frélatées. C'est ça. Voilà. Donc, ça réduit le poids. Ça tue là-bas. Ça tue là-bas. Voilà. Le jeune. Voilà, c'est ça. Donc, il faut. Wabou, il y a respect. Wabou, il n'y a pas respecté. Wabou, il fait ceci. Tu respectes, respecter les aînés. Et quand on a beaucoup. On a beaucoup à la crédit. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Mais c'est ça. Comment tu fais pour avoir une belle peau comme ça? Parce que quand j'ai posté ta vidéo, ta photo sur les réseaux sociaux, les gens ont dit, mais elle a une belle peau, elle fait jeune. Comment tu fais? C'est que c'est encore ça que tu utilises, quoi. Donc elle utilise le beurre de karité, mais le beurre de karité qu'on lui a donné il y a longtemps, depuis le début, elle utilise le beurre de karité. Elle n'a pas changé. Je dis, je comprends, bété, vous êtes là. Je comprends. Non, tu utilises que le beurre de karité, tu ne mélanges pas. Et donc, les filles là, que le beurre de karité. Bon, on ne va pas te demander ce que tu penses du BBL, sinon on ne va pas s'en sortir. Que c'est BBL? BBL, même les tatas, même. Laisse ma grand, ma maman. Non, mais en tout cas, beurre de karité tous les jours. Beurre de karité, mais ok. Ça est là. Je dirais que ma maman, il y a 4 à mon père. C'est encore là-bas. Ok. Beurre de karité. Aïe, Dio, n'a pas de la cota. Une personne qui est une maman. Quand elle mange, qu'elle est contente, une bière au passage. Au passage. Maman, au passage. Au passage. Au passage. Oui, maman, que vous êtes Thomas. Maman, que vous êtes Thomas. Maman, que vous êtes Thomas. Faut pas boire le restant des gens. C'est pas bon.
Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Nous tous maintenant on l'écoute, puis on veut savoir ce qu'elle dit. Elle a dit quoi? Voilà. Non, non, elle a entendu le béni. Elle a entendu le béni maintenant. Béni, voilà, elle a entendu le béni. C'est important pour nous, pour vous, nos enfants, pour nous, pour vous, ses petits enfants, pour nous, ses enfants. Elle bénit le Seigneur. Amen. Non, non, t'as vu, ma petite frère, ça n'a pas été. À mes petits frères, à tes petits frères, collaborateurs, voilà, de prendre soin d'eux. C'est ça. Voilà, de prendre soin d'eux. Bon voilà, prenez soin de vous. Nous, on va continuer à parler avec la grand-mère. On va pas s'arrêter là, elle est un peu fatiguée. On va te laisser te reposer un peu. Mémé, tu vas te reposer un peu. Et puis après, on va parler. Donc, il y a une autre vidéo qu'on va faire après. Hein. Ouais. Eh bien, bah, merci les matins. Eh bien, vous avez aussi un mot à dire. Parce que vous les voyez jeunes comme ça, mais c'est longtemps. Hein. C'est longtemps, il y a la longévité dans notre famille. Ouais, donc, si. C'est quoi le secret? C'est ce que la maman a dit. En tout cas, c'est ça. Le secret, on prend soin de nous. On prend soin de vous. Bien manger, bien boire. Bien manger, se contenter de ce qu'on a. Surtout. C'est très important, n'est pas parce que cette personne attend, moi si je vais faire comme elle, non, c'est ça. Ce que Dieu t'a donné là. C'est vrai que tu peux ça qui est pour toi. À fructifier, ben, contente-toi de ce que tu as. Tu as. Ouais. Joli cœur à prendre. Ma tata revient. Ah, moi elle est sérieuse, elle est bien, elle est vraiment attentionnée. Ou bien. C'est ça. C'est ça même quoi. Dit. J'ai tout dit. Donc, appelez-moi. C'est moi qui prends les. C'est moi qui prends la dot et tout ce qui. Appelez-moi dans les commentaires, mais bon, écrivez quelque chose dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci, c'était super sympa. Donc, depuis que vous êtes arrivé à peu près le 23, non? Décembre, 23 on est ensemble, on tourne un peu. Non, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos ces derniers temps. Mais on va reprendre très bientôt, les choses vont reprendre. Et puis, c'est bien de chercher de l'argent, c'est bien de travailler énormément. Mais c'est aussi très important de prendre du temps pour passer avec vos familles. C'est important de prendre soin de vos familles. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. La vieille est là. On va pas travailler comme des bourrins pendant qu'elle est encore là. On va profiter d'elle. On va profiter de toutes les mamans. Et c'est ça que je vous souhaite en 2024. Prenez le temps pour vos familles, pour vos parents surtout, pour vos ascendants. Aujourd'hui, c'est la seule de nos ascendants qui est encore vivante. Mm-hmm. Donc voilà, on prend soin d'elle, on l'entoure, on lui donne beaucoup d'amour. Et tout ça, ça lui permet de vivre encore plus longtemps. Mm-hmm. Donc faites-en de même, envoyez un gentil mot à vos parents, vos papas, vos mamans, oubliez toutes les palabres qu'il y a entre vous, réconciliez-vous, et puis je vous souhaite une excellente année 2024. Merci. À plus. Merci. Au revoir, on a fini la vidéo.